Bien, moi j'abandonne. Non, pas mon bébé. Laisse avec tes deux demeurer. Non, c'est pas ça. Arrête. Une tartine. Ouh, écoute-moi bien. Répète après moi. Tartine, une tartine. D'accord? Regarde bien l'image. Une tartine. Elle s'y prend comme un manche, la prof. Une tartine. Moi, quand je lui raconte une histoire, mon petit frère, il comprend tout. Tu me donnes pas un coup de main aujourd'hui? Qu'est-ce qui te tracasse? Dis donc, Lucas. Cette émission à la télé sur la grève d'organes, tu l'as vue? Oh, moi, tu sais, je regarde pas la télé. J'écoute la musique. Mes parents disent que Cannibal, il a une infection pulmonaire. Une infection pulmonaire? Les poumons qui déconnent, quoi. J'ai téléphoné au docteur Chevalier pour qu'il m'explique tout ça. J'ai pas bien compris. Ben oui, mais moi, tu sais, hein, à part le jardinage... Non, parce que... Mon idée, c'est que si on arrive à vivre avec un seul cœur, on n'a peut-être pas besoin des autres choses en double. Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, que si Hannibal, il a des poumons qui marchent pas, je peux peut-être lui en passer un des miens. Les organes, on les prend sur des morts, pas sur des vivants. Et des morts en bonne santé. Ah bon? Il suffit pas de mourir? Faut être en bonne santé en plus. Ah oui? Un mort qui a des poumons en capilotade, c'est pas la peine qu'on les refile à quelqu'un, hein? Moi, j'arrête de fumer alors. C'est ça. Tu fumes, toi? Depuis quand? Réponds-moi. Depuis hier. Mais j'arrête là, hein? Je vais tout de même pas refiler des poumons pourris à mon petit frère. Et tu comptes t'y prendre comment? C'est simple! J'apprends à Hannibal tout ce que je sais sur les végétaux pour pas que le jardin parte en couille après ma mort. Et quand je sentirai qu'il est bien mûr pour me remplacer, je me suicide. Comme j'aurai pas fumé ni rien, il aura des poumons nickel et fini les emmerdes. Il respirera enfin comme tout le monde. Bon ben, en attendant, va me chercher un sac de compost. Tu veux bien? Avec la brouette. En tout cas, cette histoire d'adoption, c'était de la folie. Et je te l'avais dit 100 fois pourtant. C'est monstrueux ce que tu dis. C'est quand même pas de ma faute si je peux plus avoir d'enfants. Et même si j'avais pu en avoir un autre qui te dit qu'il serait en bonne santé. Bonne santé, bonne santé, bonne santé ou pas, ça serait notre enfant. Mais c'est notre enfant! En plus, t'en as déjà, je te signale que tu fais pas grand cas, alors. Ouais, et à qui la faute? Hein? Aujourd'hui, on se retrouve avec un crétin qui ne pense qu'à ses fleurs et un asthmatique qui se retrouve à l'hôpital tous les 3 jours. À se demander d'ailleurs si c'est ça, t'as des fleurs de ton fils ne sont pas la cause de tout. Mon fils, qui est aussi le tien, n'est absolument pas responsable de la maladie de son frère. Mais regarde autour de toi, toutes ces fleurs et le pollen qu'elles dégagent, il y a de quoi rendre asthmatique une ville entière. Et tous les jours, elle vient sur sa tombe. Parce qu'elle est très malheureuse, sa mère, tu comprends? Elle lui parle des récoltes qui sont mauvaises, de la tribu qui a faim, et tout. Et Mani, il écoute. Parce que les morts, ils aiment bien qu'on les tienne au courant. Et puis un jour, qu'elle faisait la causette avec Mani, elle découvre une plante inconnue sur sa tombe. Alors elle l'arrose tous les jours. Et à force, la plante, elle se met à fleurir et à donner des fruits. On comprend pas ce qui se passe. Et tout le monde gamberge sur le phénomène. Et puis un jour, le grand chef... Il plonge sa main dans la fente. Tu sais pas ce qu'il trouve? Une belle racine bien grosse. Et comme ils ont l'habitude de les bouffer, la racine, ils commencent à la râper et en faire une pâte qu'ils font cuire. Et ils trouvent ça vachement bon. Et même que ça ressemble à du pain. Et depuis, cette plante, on
On l'appelle le manioc, à cause qu'on a trouvé sur la tombe de Mani. Qu'est-ce que tu vas me faire faire, hein? Qu'est-ce que tu vas me faire faire? Salopée de merde! Pourquoi on a fait ça? Please!